Zéro. Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, États-Unis. Shalom, Amérique. Shalom, Luanda. Shalom. Est-ce que tu comprends ça, Bandico? Luanda, Mote, shalom. Est-ce qu'on va acclamer Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes encore là. Tout ça sous Luanda. Dans notre culte en live. La culte n'a pas vu ça au monde. Oh, le Seigneur va se manifester. Nkolo a commis monisama. Il est écrit. Et komami. Dans le livre des psaumes. Namkanda banzembo. Chapitre 37. Mukaponangwa tu kumisa tona sambo. Recommande ton sort à l'Éternel. Kali sanza me bakambona yo. Mets en lui ta confiance. Ça elika epa inaye. Et l'Éternel agira. Kolonde akosala. Vous êtes nombreux. Vous appelez belé. Je bénis Papa Jimmy. Napamboli Papa Jimmy. Pasteur Alphonse. Pasteur Alphonse, je bénis tous les hommes de Dieu de Kinshasa. Il y a mon enfant Myriam. Myriam. Tambo pambo la batu botanga kombo na ngate voilà je bénis maman Miriam. Voilà kombo yango na tangi maman Miriam. Moi ça député na moi ça délégué hein. Na pamboli hein. Amen. Je bénis maman Miriam. Pamboli maman Miriam. Je bénis Natacha na Angola. Na pamboli Natacha. Et je proclame la guérison. Na sakoli ge bolobiko. Et je bénis tous les gens qui nous suivent de partout. Na pamboli batu nyoso bazola na biso. On fait un dimanche extraordinaire. Na pena yenga o ezala kate. Eza dimanche moko ki toko. Amen. Eza dimanche moko malamu. Yes. Eza dimanche moko bolingo. Amen. Bona nini nzamba batelinga na yo. Jésus. Le Seigneur nous a gardé. Kola bateli biso. Il nous a protégé. Abombi biso. On se retrouve, on est vivant. Donc nous manquons quoi est-ce que nous allons donner à Dieu? C'est pourquoi nous voulons élever les grands rois pour son amour. Entrez, Bokota et Belé, na page Nabiso Joseph Ongwal, et puis na page Nabiso les amis de Joseph, et puis bo s'abonner Belé, na chaîne Nabino, Meda TV, et Kunande Borozoba live, Borozoba direct, Borozoba enseignement, au toujours continuer l'amour. Amen. Mais nous voulons vraiment prier avec vous. Je ne suis pas seul. J'ai mon équipe. Équipe. Et nous sommes là ensemble. Nous allons te soutenir. Nous allons nous soutenir. Parce que la Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Amen. Confinement, c'est un moment extraordinaire. Moi, je vois comme si c'est une retraite. C'est comme si Dieu est en train de préparer quelqu'un. Je est en train de te préparer. Parce que après confinement, après cette maladie, la prophétie de Joël 2. Ça va s'accomplir. Dans les derniers jours, dit l'Éternel. Ce n'est pas dit le président. Ce n'est pas dit quelqu'un. Dans les derniers jours, je crois trésor que nous sommes au dernier jour. Le temps de la fin, nous sommes au dernier jour. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit. Je t'en prie aujourd'hui. Je prie à Dieu. Je lui ai dit ceci. Seigneur, équipe-moi encore. Remplis-moi de ton esprit pour la mission que tu veux que je puisse accomplir. Je crois que l'horloge a été déjà déclenchée. Ngonge se beti. Alléluia. Ngonge se beti. Ngonge se betaki. Amen. Lokola ngonge beti, c'est-à-dire mutotika la simazate. Yes. La Bible dit ceci. Bible zolo baboye. Dans les derniers jours, Nabatangwa souka, je répandrai de mon esprit. Nakosopa molimo nangai. Sur toi qui me suis. Nayo zola nangai. Sur moi. Et pas nangai. Sur tout le monde. Et pas la bato nyoso. Molimo ekosopana. Amen. Je répandrai de mon esprit. Nakosopa molimo nangai. Sur toutes chairs. Nzoto nyoso. Vos fils et vos filles prophétiser. Après Corona, c'est le temps de la prophétie. C'est le temps où le fils doit recevoir l'onction. Alléluia. Amen.
Je veux commencer à changer les interprètes parce que Bangalo yo, Bangalo Bundisanga Ming, hein? Abigail va continuer avec moi. Amen. Dans les derniers jours, dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit. Oh, nous sommes au temps où Dieu va répandre. Yes. Il veut répandre son esprit. Amen. Mais l'esprit mange la prière. Hein? Amen. Dieu est le consommateur de ta foi. Mais l'esprit a besoin de la prière. Donc dans ces temps où nous sommes, hein, dans les derniers jours, dit l'Éternel, vos fils et vos filles. Est-ce que moi, Nanzambe Mokazana Zolandanga, cette prophétie est pour toi? Cette promesse est pour toi? Amen. Nous sommes à ce temps-là où nous devons vivre la gloire de Dieu. Mamie à Paris, sois connectée. Dans, nous sommes dans ce temps-là. Tu es à la maison, tu es dans ta chambre. Recabro Saka. Tu invoques Dieu. Tu invoques Dieu. Oh, je bénis le docteur Fortuna. Nous sommes à ce temps-là où tu vas invoquer Dieu. Dieu va répondre à sa grâce. Je bénis Julia Rose. Sois béni à partir de France. Invitez tout le monde. Yébisé, le prophète est déjà en ligne. Nous sommes à ce temps-là. Le temps de confinement. Papa Nathan, à chaque fois que Dieu confine les gens, Dieu a l'habitude de vouloir délivrer les gens. Après confinement, c'est la délivrance. Après confinement, c'est l'envol. Après confinement, c'est le nouveau départ. Amen. Parce que confinement, c'est un temps de retraite. C'est un temps de prière. C'est un temps de la concentration. C'est un temps où nous voulons encore nous ressourcer. Nous avons cette, hein, ce fardeau-là. Nous ne voulons pas te laisser comme ça. Nous voulons ensemble, comme il est écrit, la Bible dit, il est doux et agréable pour des bien-aimés de demeurer ensemble. Oh, comme tu es là, tu es ensemble avec nous. Je vois le ciel ouvert. Je vois comme un prophète. Je vois le ciel est ouvert. Midi, l'éloza, midi, mora, somo. Je vois le ciel ouvert. C'est le temps de ta prophétie. Je vois quoi, c'est le Julia. Julia Rose, je vois quoi? Je vois les gens vont te chercher. Je vois un travail à l'horizon. Je vois un travail à l'horizon. Je viens un rideau se déchirant en Dieu à deux. Et qu'est-ce que je vis? Je vis, on est venu t'appeler. Et on est venu te servir. Dans peu de temps, on va t'appeler. On va te servir. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je vais répandre mon esprit sur toutes tes chairs. Si tu es là, l'esprit va descendre. Amen. Yes. Bobo Salaté, apôtre, dans Acte chapitre 2, ils étaient confinés. Pendant qu'ils étaient confinés, Kolaïmise Bangobo Bimana nous te attendait l'esprit. Attendez l'esprit. Quand il descendra, c'est lui qui va vous guider. Je suis convaincu aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là. Là où on l'invoque, il est là. Il est là, il va descendre. Et quand il descend, les malades sont guéris. Yes. Les paralytiques marchent. L'impossible devient possible. Yes. Quand le Saint-Esprit vient, il met même la parole. Amen. Il met la parole dans ta bouche. Amen. Même quand tu veux prier, l'Esprit te montrera comment est-ce que tu vas prier. Oh Dieu merveilleux, je bénis le pasteur Alphonse. Donc dans peu de temps, même si c'est 30 minutes, on va décoller. Papa, ils étaient ensemble. Comme tu es ensemble avec nous, tu nous suis directement. Sur YouTube, tu nous suis. Sur Facebook, tu nous suis.
Appelle celui-là qui n'a pas encore prié. On va prier ensemble. Amen. Ils étaient ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Un bruit. Tout à coup, il y a eu des flammes qui se sont déposées sur leur tête. Et la puissance du Saint-Esprit a touché tout un chacun d'eux. C'est ce qui va se faire aujourd'hui. Amen. Si tu me suis là-bas, tu es en Angola, tu es à Londres, tu es à Paris, le Saint-Esprit va te toucher. Amen. La maladie là va disparaître. Amen. La puissance de Dieu va changer de choses. La puissance de la prière va transformer les choses. Amen. Et Dieu va se manifester. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là. Chaque dimanche, nous sommes là pour t'encourager. Amen. Pour te dire qu'un homme de la foi n'a pas de limite. Yes. Un homme de la foi, le confinement ne l'empêche pas. Amen. Un homme de la foi, même s'il est malade, c'est le corps qui est touché. Amen. Mais son esprit n'est pas touché. Amen. Même si tu es malade, yes. Avant ton cils, tu seras guéri. Amen. Tu seras guéri. Yes. Tu seras guéri. Amen. D'une manière particulière. Yes. On va entrer un peu dans un moment de prière. On va écouter l'exhortation. Et puis à la fin, on va entrer encore à la prière. Je vais t'inviter à la prière. Prépare-toi. Pendant que notre berger Charlotte va nous conduire dans une prière, prépare-toi, on va prier. Prie avec nous. Prie avec nous, Yaya. Au lieu que nous téléphonions à la télévision, au téléphone à la partie politique, prie avec nous. Tu vas témoigner à la fin. Yes. Come on, allons-y. On va prier ensemble. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Rakabu Shaka. Oh Yenama, Yemba Yaya Yesu. Yahweh, Yahweh. Shaka,
Zali. Et on a mis tout dans la vie sur les aïeux. On a mis l'ensemble. N'a pas problème aux anango. On a stengaye. A quitté salé la yo. On a le ban ensemble. Malgré confinement. L'on est kangamite. On a le ban ensemble. L'on est tika la kofongwama. Nicolas Bombo inayo. Namba salé la yo. Allongo la sona Bombo inayo. A tombo la yo. Tombo de la combo la yo. Kiti sanke mbona yo, kiti sanke mbona yo, kiti sanke mbona yo esiko yo, Baba. Kiti sanke mbona yo, kiti sanke mbona yo, kiti sanke mbona yo esiko yo. Shilonanga kiti sama wana yo, kiti sama wana yo, kiti sama wana yo esiko yo. Haleluya. Kiti sama wana yo, kiti sama wana yo, kiti sama wana yo esiko yo.
na moto ya ka itana nguya ya ka
Sois élevé notre Dieu. Amen. Sois loué notre Père. Amen. Nous avons besoin de toi. Yes. Il est écrit, quand vous élèverez le Fils, yes, il vous montrera de quoi il est capable. Amen. Nous t'avons élevé. Glorifie notre Seigneur. Merci parce que tu es élevé. Nous te recommandons cet instant. Manifeste-toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Là où tu es, que Dieu te bénisse. Amen. Prenez votre bic. Prenez votre bloc-notes. Et nous allons avancer par la parole de Dieu. Amen. Nous allons nous édifier par rapport à ces grands thèmes que nous exploitons sur la foi et sur la prière. La foi et la prière. Sois béni, ma fille. Soyez bénis tous. Amen. Nous allons parler sur la prière aujourd'hui. Yes. Tu as transpiré, hein? Tu peux interpréter. Tu as transpiré. Hein? Qui est, hein? Donnez-lui le papier mouchoir. Hein? Tu vas donc quitter ça, moi radiateur naï. Hein? Moi radiateur naï. Hein? N'équipe pas les alara. Bazara 2-2-2-2-2. Hein? Moutoumsoaz en la terre. Moutoumsoaz en. Alors, amen, nous allons te bénir. Toko pambo la yo. Et puis après cette séquence, si baba makambo yo, toi tu seras béni. Yo penso ko pambo la ma. Tu seras béni. Toko pambo la ma. Oh, je dis tu seras béni. Toko pambo la ma. Hier, je ne sais pas, c'était hier ou avant-hier. Lobito sima lobi. On a parlé sur la foi. Tolo bela ke loko ba béni kondima. De garder la foi. Ya ko batte la toko bomba kondima. Frère bien-aimé. Molingami. Il est impossible. Ça passe penza. On se pèle sans Nzambe sans la foi. Qu'est-ce que ça na kondima? Si tu as la foi, so ko za na kondima, il y a pas de limite. Wana ba ndeme zate. Un homme de la foi, moto a kondima, n'a pas de limite. Azana ba ko soubi sa maté. La Bible déclare. Bible ande zoloba. Nous l'avons dit hier. Zoloba ki lobi. Voici les miracles. Tala bika moi. Qui accompagneront? Oye kolanda. Tous ceux qui auront cru. Ba enyoso ba ko za na kondima. C'est-à-dire les miracles. Bika moi. Ce n'est pas un domaine de pasteur. Les miracles, ce n'est pas un domaine de prophète. Tel que tu es là, Dieu a fait de toi et moi un royaume. Vous comprenez? Amen. Nous sommes un royaume. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire un sacrificateur, c'est celui qui exerce sa foi. Mais la foi dans la prière. Amen. Gloire te soit rendue. Nous allons parler de la prière aujourd'hui. Hier, nous avons dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est-à-dire, si tu crois, comme Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, yes, si tu crois, amen, tu verras. Amen. Namboka na biso devise zala na fondima. Amen. Tu n'auras pas d'abord l'argent. Crois d'abord. Non, a partir en France. Yes. Elle est arrivée là-bas parce qu'elle a cru. Tomatine bangomba. Elle avait la foi. C'est pourquoi elle est arrivée là-bas. Elle n'a jamais perdu la foi. Abungisa kondimate. Nzamba pambola bana nga nyoso bana libanda mboka. Amen. Papa, bénissez vos enfants. Pambola bana na bino. Pambola kabana, pambola kabana. Pambola kabana lomba mata. Amen. Nazo sambe la promo kende liboso. Yes. Après confinement kende liboso. Amen. Amen. Ma mère a réagi sur Facebook. Azala Kiawa. Yes. Naibi Senzamba, Ibi Singa, il faut celle en Zambé la protocole. Jova. Si tu as la maman, mi protocole,
akoka hotel ma minte makoma hotel ma ti encore ngana lobaka mingi. Yes. Bana to bi ngana lobaka mingi. Kolobeza donanga. Amen. Et loko nzamba tikela nga ezaka munoko. Amen. Et loko nzamba tikela nga ezaka ka parole. Yes. Les serviteurs de Dieu sont des micros, non? Asa ilo nzamba za epanzi sango. Bangonde baba lokole ya mindele. Amen. Bangonde bazozo makambo nzambe bazo memela ngo peuple. Amen. Ya kulukala nga ba problème te munoko ezali. Yes. Malobanga mo na sala kango na nzambe. Amen. Yes. Et cet après-midi, ce matin à midi oyo, j'ai une bonne nouvelle. Nazana sango malamu. Oyo na ko pambola o pambola me. Amen. O na ko ba pambola ma o pambola me. Amen. Amen. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. C'est-à-dire, si tu crois, tu verras les miracles. La puissance de Dieu va t'accompagner d'abord grâce à ta foi. Ba mona makamba mine na koza kundima. Amen. Grâce à la foi. Ngolo ya kundima. Oh, ngolo bien grâce à la foi. Pona kundima. Bande kozo ndimo zo la nangai. Oko mona kembo nzamba. Yes. Ce qui est impossible aux hommes. Oui, ça passe pas bateau. C'est que les docteurs ont dit c'est impossible. Oui, bah, minga, bah, bah, c'est possible avec et Dieu. Là, amen. Yes. Amen. Ce qui est impossible à, aux hommes oui, ça passe pas moutou. Yes. Est possible à Dieu. Et là, amen. 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 Ce que ton père ne peut pas faire, oui, papa, n'a quoi, ça, la tête. Dieu peut le faire. Nzamba, ça, la et rien n'est impossible à Dieu. Et là, mon côté, nzamba, koki, te, ko, ça, là. Yes. Dans la zone, bah, rien, c'est rien. Amen. Rien, rien. Et là, côté. Dieu fait tout. Nzamba sala kanyoso. Toutes bonnes choses. Il le fait pour toi. Asala kango pona yo. Alors, hier nous avons parlé de la foi. Nous avons dit ne perds pas la foi. Parce que Jésus s'inquiétait. Ami tout la seule raison est-ce que je vais trouver la foi. Moi je crois. Quand il reviendra, il te trouvera. Il me trouvera. Il va manger ma foi. Yes. Amen. Papa tomata ngomba tomata lola na nzela kondima. Amen. Peu importe ce que nous voyons. Atako nyoso tomona. Peu importe les sex étapes. Atako makambo ba la kisabiso. Peu importe coronavirus. Atako coronavirus. Peu importe des situations difficiles. Atako makambo afasi to komela biso. Un homme de la foi. Muto akondima. N'a pas de barrière. Atala bandelité. N'a pas de limite. Atala bandelité. Soyez béni. Pambo ama. Nous allons lire une parole. Tokotanga maloba. Abigail va nous lire ça. Hein? Il va nous lire ça. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 21. On prend le verset 18. Allez-y. Yes. Amen. Le matin, en retournant à la ville, il y eut faim. Azalaki nanzala. Voyant un figuier sur le chemin, na komona nzete moko na nzela, il s'approcha. Apusani pe na nzete, mais il n'y trouva que des feuilles. Po akuti kaka ba nzete ba matiti kati mbuma te. Et il lui dit, pe amilo alobe alobe lango, que jamais fruit ne cesse de toi. Yo okabusaka mbuma te, obotsa mbuma te. Et à l'instant, le figuier sécha. Nambala moko nzete kauki. Les disciples qui virent cela virent étonnés. Baye koli oba monaki makambo bakomi kokamwa. Et dire, pe balobi. Comment ce figuier est-il devenu sec? Lolene nini nzete oye kauki. Et en instant, Jésus leur répondit. Nambala moko Yesu ayanoli bango. Je vous le dis en vérité. Na zolo bela bino na bosolo. Si vous aviez de la foi. Soki kaka bozana kondima. Et que vous ne doutiez point. Pe bozo imate. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers. Te boko sala kaka te oye salami na nzete oyo. Mais quand vous diriez à cette montagne, tant que le barangomba ou éternemi, ôte-toi de là, longwa wa resiko zali, et jette-toi dans la mer, fait que nous comme ibuaka na mai, cela se ferait. Yangwe ko salama. Amen.
tout ce que vous demanderez avec foi, nyoso tu obo ko senga na kondima, par la prière, nanzela lo sambo, vous les recevrez. Yango ekope samela bino. Jésus s'est rendu dans le temple. Tout ce que vous demanderez, nyoso tu obo ko senga, par la prière, na lo sambo, avec la foi, na kondima. Tout ce que c'est ça la nuance. Yango na penal. Tout ce que vous demanderez en prière, nyoso obo ko senga na lo sambo. Yakabwe. 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 L'excès. Tout ce que vous demanderez en prière. Tout ce que vous demanderez en prière. Na longoli mangala bakanja. Hein? Excusez-nous. Là où vous nous suivez. Excusez-nous. On va maintenant. Nous allons maintenant voyager. Nous allons maintenant voyager. Soyez bénis. L'écriture nous venons de lire. La Bible dit tout ce que vous demanderez en prière. La première des choses, croyez. D'abord, c'est la prière. Demandez dans la prière. Et puis, mets la foi. Là où ta foi va s'arrêter, c'est là où le miracle va s'arrêter. Ok? Là où tu t'arrêtes par la foi, c'est là où le miracle va s'arrêter. La Bible dit tout. Tout ce que vous demandez, yes. En prière, c'est ça la nuance. En prière, mais quelle prière? La prière de la foi. Dieu a fait de nous un royaume, le royaume des sacrificateurs. Nous sommes un royaume pour lui et pour nos familles. Yes. Parce que tu es là, yes. Ta famille ne peut pas mourir. Amen. À cause de toi, amen. Les choses doivent bien marcher. Amen. Suivez-moi bien. Yes. Suivez-moi très bien. Yes. Tel que tu es là, yes. Tu es dans le royaume. Jésus est notre roi. Papa, ce n'est pas moi qui a dit papa, ça. Yes. À la croix, il y avait deux voleurs. Et Jésus était au milieu. Et l'un des voleurs a dit à Jésus, si tu es le Christ, tu dois d'abord commencer à te sauver. Et puis tu vas nous sauver. L'autre là lui a dit, nous sommes des voleurs. Mais lui est saint. Il n'a pas volé. Mais quand il a déclaré cela, il a regardé Jésus. Il dit, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Le voleur avait la révélation que Jésus avait un royaume. Le voleur dit, quand tu reviendras dans ton royaume, c'est que quand le voleur regardait Jésus, il voyait un roi au milieu des voleurs. C'est ça la grande révélation. L'autre là n'avait pas la révélation. Mais l'autre voleur là, il a vu Jésus. Il a vu en lui un roi. Il dit, quand tu reviendras, souviens-toi de moi dans ton royaume. C'est de la même manière, les gens qui regardaient Jésus comme un fils d'un charpentier, mais quand Jean les regarde, il dit, voici l'agneau de Dieu. Le problème avec les miracles, c'est la manière dont toi tu vois Dieu, la manière dont tu regardes. Si cet après-midi tu me vois comme un homme ordinaire, tu vas passer à côté des miracles. La Bible déclare, confiez-vous à Dieu, vous serez fort à faire. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. Amen. Yes. Vous comprenez? Amen. C'est ça la parole. Le voleur a vu un roi. Malgré ils étaient ensemble. Ils ont battu mon soubois là-bas. Moi, si comme moi, mes voisins dingues mon côté. Si tu me suis avec la foi, je vais libérer une parole sur toi. Oui, tu as battu. Mais l'onction qui est sur moi me distingue. Si nous sommes un
royaume. C'est ça ce que le voleur a vu. Quand tu viendras dans ton royaume, cela veut dire quoi? Jésus a un royaume. Lui est le roi. C'est que le voleur, quand il dit ça, il veut dire quoi? Je sais que tu es ici, mais tu es innocent. Mais tu es un roi. Quand j'ai volé, on a entendu parler de toi. Je sais que tu es roi. Il a dit à l'autre voleur, tais-toi. Yes. Lui est roi. Amen. Il est innocent. Amen. Mais nous, nous sommes des coupables. Amen. Jésus, quand tu viendras Amen. Dans ton royaume, Amen. Il a reconnu Amen. Que Jésus, Amen. C'est le roi des rois. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement les voleurs. Même Pilate. Mais vous savez, ami Bengi Mokonzi. Bakomi na kacha kwa nebadia, il est le roi des Juifs. Pilate a répondu. Ce qui est écrit. Est écrit. C'est une manière de dire quoi? Il est le roi. Le véritable roi. C'est pourquoi j'ai dit. Il a fait de toi et moi un royaume. Yes. Un royaume de sacrificateurs. Yes. S'il est roi, c'est que celui qui me suit là, tu es princesse. Tu es princesse. Amen. Tu es prince. Yes. Sois béni. Sois béni, ma fille Natacha. Maman, si Jésus est le roi, yes. Pilate n'a pas changé ça. Abibo Tikango Kabongo Nakiruana. Et s'il est roi, dans son royaume, même les voleurs l'ont reconnu. Il dit, quand tu viendras, souviens-toi de moi. Je t'assure que mon Dieu à qui je prie, il se souvient de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. Et voilà pourquoi ce que le voleur a fait, on appelle ça la prière. Yes. La prière qui a changé sa situation. Il était destiné pour l'enfer. Mais à la dernière minute, il a eu la révélation. Que comme je suis ensemble avec un roi, n'a pas changé paix. Amen. Je vais parler de la prière. Écoutez-moi maintenant attentivement. Siko bolandanga très bien. Bolandanga très bien. Amen. La prière. Le sambo. Écoutez très bien. Yoka siko malam. Ne sois pas distrait, écoutez très bien. Obimate, yokanga malam. La Bible dit dans le livre de Matthieu. Bibazolo bana mukanda Matthieu. Tout ce que vous demanderez. Yoso bino bozo senga. Maintenant suivez la scène. Siko bolanda siko malaki. Soyez calme maintenant. Oza la siko kimia. Tout ce que vous demanderez. Yoso boko senga. Dans la prière. Le sambo. Avec foi. Na kondi manabino. C'est que la foi c'est la clé. Ma esa fungola. La booste. Ça va booster les miracles. La foi, c'est la clé que Jésus a laissé à Pierre. Il lui a dit, tout ce que tu fermeras, le seul va autoriser. Mais cela se fera par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la foi. Hier, je parlais de la foi. Aujourd'hui, je vais parler de la prière. Un homme de la prière est plus dangereux. Amen. Il y a prière, prière. Dieu, comme il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, tu es sacrificateur pour ta famille, pour ta vie, pour ton pays. Un sacrificateur veut dire quoi? C'est celui qui sacrifie.
C'est celui qui donne les offrandes. Il fait un ministère préposé pour sacrifier. En fait, son travail, c'est donner les sacrifices. Tu vas lire ça à la maison. Romains chapitre 12. Chapitre 12, verset 1er. La Bible déclare, offrez vos corps comme un sacrifice. C'est-à-dire un sacrificateur. C'est toi et moi. Paul dit, offrez vos corps. Même quand tu fais des prières, tu es sacrificateur. Merci notre Père aussi en direct. Notre patriarche apôtre Timothée Adeito Bagbeni. Nous prêchons sous sa grâce. Sous son onction. Bible le Bible dans les derniers jours. Dieu va répandre son esprit sur toutes les chairs. Les fils et les filles prophétiseront. Je vous ai dit la prophétie, c'est parler de la part de Dieu. Prophétiser veut dire quoi? C'est parler de la part de Dieu. C'est ça la prophétie. Mais on dit les vieillards, ils auront des songes. Les vieillards, ce sont nos patriarches. Nos pères. Ils auront des visions. Ce garçon ira loin. Amen. Mon père, quand je n'étais encore forme et vide, quand il me regarde, la Bible dit les vieillards auront des visions, auront des songes. C'est le père qui donne la vie, c'est le père qui oriente l'enfant. Mais nous sommes à ce temps-là que la prophétie de Joël va s'accomplir. Dieu va susciter une armée de fils et de filles qui vont amener la parole loin. Alléluia. Zalaka pendant la connexion en gai. C'est-à-dire nous sommes dans cette génération là. Papa Nathan Otozali, hein. C'est le temps où Dieu va nous équiper. La prophétie de Joël était. C'est déjà déclenché. Le fils, tel que tu es là, prépare-toi. La fille de Dieu, prépare-toi. Le fils de Dieu. Ezana Galate. Galate lobi, il y a ni grec. Il n'y a ni grec. Yes. Il n'y a ni juif. Amen. Il n'y a ni homme. Yes. Il n'y a ni femme. Yes. En Christ, yes. Nous sommes un. Amen. Amen. Dans ce temps où nous sommes, nous vivons la prophétie de Joël. Les fils et les filles, hein? C'est moi et toi. Les vieillards, hein? Ce sont nos pères. Amen. Ils ont vu en nous les dons, la grâce. Quand nous ne voyons pas, nos pères spirituels, ils avaient déjà remarqué en nous qu'il y a les dons. Comme moi, j'ai remarqué, l'interprète, elle a les dons. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez là où je l'ai pris. Elle était dans l'alcool. Elle était dans les mensonges. Elle était dans les mauvaises vies. Mais c'est le Père qui voit ce que tu seras demain. Amen. Amen. Soyez bénis. Et dans cette génération, nous avons besoin de pères qui auront des songes. Les pères qui vont interpréter les songes. Quand je parle du père, je vois Jacob. Amen. Amen. Yaya. Amen. Le père c'est Jacob. Jacob. Quand Joseph l'amène les songes. Comme les songes, ce n'est pas un domaine des enfants. Les songes, c'est un domaine des prophètes. Un domaine des pères. L'interprétation, c'est Jacob. Il vient, il lui amène les songes. Je vis les étoiles. Je vis le soleil. Je vis la lune. C'est prosterné. Oh les pères, oh les
interprétation. Jacob commence à expliquer à Joseph. Toi tel que tu es là. Toi. Tu vas régner sur nous. Moi ton père. Le soleil. Ta mère. La lune. Et les 11 étoiles. Tes frères. Nous allons, nous serons sous ta puissance. Oh Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. C'est le Père qui a donné l'explication. Et il a gardé les souvenirs de ces rêves-là. Je vais dire à quelqu'un, les rêves que tu as faits, la prophétie que tu as reçue, ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ce que Dieu t'a montré, ce que Dieu t'a révélé, Habakkuk a dit, la prophétie de Dieu, elle s'accomplira certainement. Mais les enfants de la promesse, ils vivront par la foi. Les justes, vivront par la foi. Voilà ce que j'allais dire par rapport à la foi. Par rapport à ces versets de Matthieu, nous avons exploité la foi. Mais aujourd'hui, on va exploiter la prière. Tout ce que tu lieras sur la terre, c'est par la prière que tu peux bloquer. Tel que je suis là, Dieu m'a donné mandat. Je me lève, j'annule par la prière. Je lève ma main droite. Tout ce que ta famille a formaté comme un complot sur ta vie, je me tiens comme un pierre. J'annule cela. Tout, j'ai dit tout. Tout. Que la prière que j'ai fait aujourd'hui est bénie sur la prison. Et le gros n'a pas assez. Et le gros la situation de l'amour. Tout ce que tu demandes en prière, croyez que vous l'avez reçu. Et vous allez voir ça s'accomplir. Au fait, Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir, c'est dans la prière. Quand tu libères la puissance, je dis par la prière, quand tu libères la puissance, c'est une manière de libérer le ciel sur la terre. C'est pourquoi je dis ceci. Notre thème d'aujourd'hui, la prière libère le ciel sur la terre. La prière attire le ciel sur la terre. Mais quelle prière? La prière de la foi. Soyez bénis. Oh, je disais soyez bénis. Jacques dit ceci. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. C'est qu'il y a des gens, quand ils prient, ils ne font que demander l'argent. Salomon n'a pas demandé l'argent. C'est-à-dire, c'est quelle prière? Jacques dit, tu demandes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment il faut prier. J'ai dit, le secret des miracles, c'est la foi. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est aussi la prière. Deuxième secret, c'est la prière. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. La Bible insiste sur la prière et sur la foi. Les deux béquilles qui va te soutenir pendant ces temps difficiles, c'est la prière et puis c'est la foi. C'est la prière et c'est la foi. Mais ce n'est pas n'importe quelle prière. La prière faite par la foi. La prière des fils de Séva. Les fils de Séva. Fils de Séva. Ont échoué. Ils ont prié au nom de Jésus. Les fils de Séva. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19. On peut lire ça. On peut lire ça rapidement. Actes chapitre 19.
Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. C'est-à-dire la prière peut échouer. Et là qui si le sambo et qui peut échouer. Si tu pries mal. Soko zo sambe la mabe. La prière n'est pas ne peut être exaucée. Le sambo ko yano la mate. Si tu pries mal. Soko zo sambe la mabe. Le fils de Sefa. Bana Sefa. Tanga biloko. Atangi na kombo na ye. Ouais, 19 13 16. Quelqu'un exorciste juif à Milan qui avait des esprits malins. Ouais. Le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ce qui faisait cela était sept fils de Sheva. Tuif l'un des principaux. Écoutez la parole. Écoutez la parole. Bon, la Bible dit ceci. Bible solo baboy. Quelques exorcistes bambikoudi. Bambikoudi. Des juifs en Milan. Obo mona kabango na babadara. Oh, fou de Jésus. Yes. Prophète atambolaka. Naba wenze. Balukaka. Apeso professeur pesimbongo. Il y avait aussi des gens comme ça. Les akipe na batwa bongo. On les appelait les ambulants. Mande ko benga bango batabi tambula tambula. Ils essayèrent d'invoquer sur eux. Mande ko meka ko bele la likolo na bango. Qui avait les esprits malins. Azaki na mini momabe. Ils ont invoqué le nom de Jésus. Bele la kikombo Yesu. En disant. Na koloba. Je vous conjure. La pindai, c'est une manière de dire je vous chasse bino, par Jésus na Yesu Christo, que Paul prêche. Ce qui faisait cela, c'est-à-dire ce qui faisait déjà des prières, c'était les fils de Sheva. Ils ont chassé les démons. Mais au nom de Jésus que Paul prêchait. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux. Il se rendit maître de tous deux. Yes. Et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit. Il s'enfuit nu. Et blessé. Et cela fut connu de tous les juifs. Vous voyez? C'est aussi une prière. Il a chassé les démons. Je vous chasse. Au nom de Jésus. Que Paul est prêche. Le problème ce n'est pas ce que Paul. Le problème ce n'est pas le nom de Jésus. Le problème c'est la manière dont tu utilises ce nom là. La manière dont tu pries. La manière dont tu exerces ce ministère. C'est pourquoi je kanga batu nyo. La magie, la kissi, comment les mêmes noms. Le lengeni combo moko amène les autres à l'élévation. Les hommes même abatoubusu na botom. Les mêmes noms combo moko appauvrir les autres. Les hommes comme ça abatoubusu. Le problème ce n'est pas les noms de Jésus. Le problème c'est la manière dont tu utilises les noms. Le lengozo sale la combo wana. Tous ont prié. Mais les démons ont répondu. Paul. Paul, on le connaît. Yes. Jésus, yes. On le connaît. Yes. Mais toi, tu es qui? Oh, soyez béni. Oh, le problème, c'est la dimension, la taille de l'esprit face à ces démons-là. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont chassé les démons, mais les démons ne sont pas partis. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas José. Ce n'est pas mon père. Le problème, c'est toi qui chasses. C'est toi qui pries. Quelle est la manière dont tu chasses ces démons? Quelle est la manière dont tu pries pour que les démons t'obéissent? Beaucoup ont échoué dans leur ministère. Prophète Josué Nazana Kissi, c'est parce que tu ne connais pas la manière dont moi je sers Dieu. Moi, mon Dieu, c'est un Dieu de l'alliance. J'ai l'alliance avec mon père, l'alliance des montagnes. Quand je suis en alliance avec mon père, tout ce que je demande, le Dieu de mon père m'exauce. Amen.
Même si mon père n'est pas là, je ne peux pas imposer quelqu'un la main sans qu'il ait cité comme voilà. Notre Dieu, c'est Dieu de l'Alliance. Tu me suis là-bas. Beaucoup de prières que tu as fait. Montagne et montagne. Retraite et retraite. Mais la prière n'est pas exaucée. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas moi qui a prophétisé. Le problème, c'est toi-même. Les deux fils là, ils ont utilisé le nom de Jésus, le nom de Paul, les deux noms là. Or, la Bible dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas de nom. Et c'est le nom pour que les malades soient guéris. Mais regarde, ils ont utilisé ces noms-là. Mais leur prière a échoué. Tu peux avoir la foi. Mais la, c'est quelle manière tu utilises le nom de Jésus. On ne mélange pas le nom de Jésus avec le fétiche. On n'invoque pas le nom de Jésus dans les péchés. On n'invoque pas le nom de Jésus dans la masturbation. Les démons connaissaient Paul. Les démons connaissaient Jésus. Mais les démons n'identifiaient pas les deux fils. Ce n'est pas mon problème. Dieu n'est pas un menteur. Le problème, c'est toi-même. Le problème, c'est la manière dont tu pries. La Bible dit, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Mais toi, tu pries. Tu chasses les démons. Mais tu as des problèmes avec les gens. Tu n'as pas pardonné les gens. Tu es rancunier. Tu critiques les pères. Tu es là en train d'injurier les pères. Amen. Le livre des Romains dit, tu seras jugé par rapport à ce que tu fais. Beaucoup leur prière. Papa, beaucoup leur prière n'ont pas été exaucés. C'est parce qu'ils ont injurié les pères. C'est parce qu'ils marchent dans les péchés. C'est parce que même les démons ne voient pas Jésus en eux. Les démons ont répondu à ces deux fils. Paul les connaît. C'est-à-dire, il y a d'autres serviteurs de Dieu. Mais il y a d'autres serviteurs de Dieu. Même les démons ne le connaissaient pas. Voilà, les démons reconnaissent Paul. C'est parce que Paul disait, c'est lui qui est à moi. Est plus fort que celui qui est dans les mondes. C'est que quand je regarde Paul, je vois que Paul a Jésus. Beaucoup prient, mais Jésus est loin d'eux. Marie, quand ils ont constaté que Jésus est resté, ils ont arrêté leur marche. Ils sont rentrés pour chercher Jésus. Beaucoup sont là. Vous me suivez de partout. Tu as déjà laissé Jésus. Tu as déjà laissé Jésus. Par les soucis, par les problèmes, par la vie de péché, par la magie. C'est pourquoi la prière n'est pas exaucée. Est-ce que vous me comprenez? Le problème, c'est la dimension. La taille de ton esprit. En face des démons. C'est-à-dire, dans le service à délivrance, à la fin, les démons sortent. Il obéit pourquoi? En réalité, ces démons-là ne me voient pas. Les démons-là voient Jésus en moi.
La puissance de la prière, c'est la prière faite par la foi. La foi en qui? La foi au nom de Jésus. C'est-à-dire en réalité, Jésus doit quitter la Bible. Il doit devenir dans ta vie. La prière, c'est le poumon de tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire la prière, c'est notre poumon. C'est notre respiration. Papa, beaucoup de gens me regardent. Mais il n'a pas prié. Il fait 10 heures du temps devant le téléphone. Mais il a moins d'une heure devant la prière. Le problème, ce n'est pas Dieu. Beaucoup ont échoué dans leur prière parce que la puissance et l'efficacité de ta prière n'est pas basée au nom de Jésus. Le problème, ce n'est pas seulement de citer ce nom-là, c'est vivre la vie de ce nom-là. Amen. Tu me suis. Tu veux le mariage? L'homme de Galilée ne veut pas que tu vives avec les maris d'autrui. Même si tu pries. Attends, la prière là ne sera pas exaucée. La dîme, je vais manger. Mais quand tu sors avec le mari d'autrui, Jésus ne se retrouve pas en toi. Apocalypse 3:20, il dit ceci. Je me tiens à ta porte. Je frappe. Tu ouvres, j'entre. Ça dit Jésus, il ne veut plus rester dans la parole ici. Il veut vivre en toi. Il veut marcher avec toi. La Bible dit si mes paroles demeurent. Papa, tu comme une attente au faux Bible. Bible. La Bible doit devenir ta vie. Si la parole demeure en toi. Et que toi tu demeures dans la parole. Tout ce que tu demanderas. Le ciel te le donnera. 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 L'efficacité de ta prière dépend de la taille. Du poids de l'esprit aussi que tu as. Cela dépend aussi de qui est en toi. Amen. Nous pouvons tous prier. Amen. Nous pouvons tous prier. Mais nous n'avons pas le même âge de l'esprit. Âge. On n'a pas le même âge d'esprit. Amen. Quelqu'un est venu me voir aujourd'hui à la maison. Avant 6h30. Si avant il a 9h. Azo kaka kunanda ku robo shaka rekantara baba robo bobo shaka. Mais pendant que nous sommes confinés, confinés veut dire quoi? Dieu te pousse à entrer dans la retraite par force. Mais au lieu de profiter Nathan, Esaïe dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il est là, pendant qu'il est près de toi. Il y aura un temps, le Seigneur sera loin de toi. Pendant que Dieu est là, cherchez-le. Que les méchants abandonnent leur voie. Amen. Ce n'est pas la faute des prophètes. C'est toi-même. Tu mènes une mauvaise vie. Et Jésus n'est plus en toi. Jésus n'a pas changé. Je parle à quelqu'un. Jésus n'a pas changé. J'aimerais d'abord témoigner. Vous savez que pendant ce confinement, Dieu m'a donné l'argent. L'argent des garanties. Pendant que les autres disaient, ce ma kangi ba église ba établissement, les pasteurs vont mourir de faim. Depuis que nous sommes en confinement, chaque jour, moi je bénis les gens. Je bénis les orphelins. Chaque jour, le Seigneur me bénit. Et ce que l'offrande ne pouvait pas me donner, pendant le confinement, je priais Dieu. Qu'est-ce que je lui ai dit? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je pris la peau de David.
C'est-à-dire quand je lis David, papa Nathan, je comprends une chose. Dans cette terre des hommes, il y a des gens qui ne manquent pas. Yonozozanga, mais il y a des gens qui ne manquent pas. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu ouindouilles ma tête. Ma coupe est débordée. Tu me fais marcher dans les vallées. Namatite Rokaoka. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je n'ai pas peur de corona. Je n'ai pas peur de célibat. Je n'ai pas peur de la maladie. Même quand je traverse la maladie, je n'ai pas peur. Celui qui est en moi est plus fort. Même quand je traverse la falaise, il y a Kozanga. Je n'ai pas peur. Parce que celui qui est en moi est plus fort. Même quand je traverse les moments difficiles, même quand tout le monde m'abandonne, la prière ne m'abandonnera pas. Ma foi est en Christ. Même quand je traverse, tel que tu es là, si Jésus est avec toi, même si tu es seul, comme un lit contre 850 faux prophètes, tu réussiras, tu avanceras, tu sèmeras, tu récolteras, tu arriveras, tu guériras, tu béniras l'Éternel, tu bâtiras des maisons, tu bâtiras des maisons, tu habiteras dans des maisons que tu n'as pas construites. La prière attire le ciel. C'est comme ça que Jésus a dit à Pierre. On a caoussé une zété à mouquet. Mais si vous avez la foi, comme un grain de sénévé, tout ce que vous demanderez en prière, vous allez dire même aux montagnes, ôte-toi de là, et les montagnes vont partir. Je prophétise sur ta vie que les montagnes des problèmes, les montagnes des maladies, je prie comme un sacrificateur que les montagnes libèrent ta vie. Il dit ce que moi j'ai fait. Ce sont de petites choses. Mais celui qui prie, celui qui a Jésus en lui, quand il priera, les montagnes vont se déplacer. Quand il priera, les maladies vont se bricabosaka. Mais carabro, quand il priera, le ciel s'ouvrira et la gloire descendra. Alléluia. Jésus n'a pas changé. Oh, Haïti n'a pas la mona. Yes. Toi aussi, tu peux vivre ça. C'est que mon père Timothée de Hito a dit, je suis en train de vivre ça. Parce que je marche dans ma colonne. Par la foi et par la prière. Oui, mais quand on a perdu le rôle, on a bien. Yes. Père, si vous continuez à prier, mon père spirituel peut prier 12 heures du temps. J'entends dans mon lit, moi, qu'on semble 12 heures du temps qu'on fout. Na 12 heures, on a prié les minons à 8 heures du temps. Langue, car. Père spirituel, on a vu ça, 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 Yebwa kangipe miso. Rebarabaraba. Rebarabaraba. Shinderebebebe. Afuka ma po espace ya mukende na laksakyo. Rebarabaraba. Rebarabaraba. Ce que j'ai appris. Oh na zwa. Dans la vie de mon père. Na bomo ya tata. Ce que j'ai hérité. Oh na zwa. Dans la vie de mon père. Na bomo ya tata na. C'est la prière. Eza lo sambo. Amen. Alléluia. À cause de la fuka misi bino. Yo so bandola la moi pongi. Okanisi ya kangi miso. Ora Joseph Bonela, rebebebe, attends la semaine qu'on est. Diakozolala, rebebebe, 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 12 heures du temps. Amen. Ndeni mutabongo, nzamba sale l'été. Amen. C'était un apôtre. Azan Thomas. Mais quand il prophétise, j'ai honte de beaucoup de prophètes. Mon père est l'apôtre. Mais la prière, ça va t'ouvrir l'esprit.
Amen. La prière le sambo va briser les voiles. La prière le sambo fait tomber les écailles. La prière le sambo te rendra fort. La prière le sambo te donnera la victoire sur tes ennemis qui viendront par un seul chemin. Combien de bateaux babondissent? Combien de bateaux babondissent dans le ministère? Tile lo bakukate. Alléluia. Tile lo bakukate. Amen. La prière. Le sambo. Ça va te distinguer. Kokeke. Yes. Yaya. Ko sambela te po batuba mona yo. Amen. Sambela po za na alliance na Nzambe. La prière va te distinguer. Amen. Omo nande toza ebele. Muto a sambela ke bele na alliance na Nzambe. Atande toza awa. Ça va distinguer. Amen. Je suis sûr que mon diacre n'a pas bien prié aujourd'hui. Alléluia. Oui. Tu vois, non? Le diacre, il a tâtonné ici. Yes. Il a tâtonné. A tâtonné qui a? Mais voyez une femme. Moi aussi. Azo bête en dada. Ça dit, quand tu te présenteras devant les gens, un homme de la prière n'a pas peur. Un homme de la prière n'a pas peur. Il sait que celui qui est en lui est plus fort. Natacha, là où je ne suis pas là. Charlie, là où je ne suis pas là. Godé, là où je ne suis pas là. Mamie, là où je ne suis pas là. Le Dieu de mon père est là. La prière est là. Aujourd'hui je prêche quoi? La prière libère le ciel. Ça ouvre le ciel. La prière de Élie efongola lola. La pluie est tombée au temps des déserts. Et il a parlé. Il a dit, vous le bêtatez à cause de la dimension. Papa Nata, tozo sambe la biso nyoso mais tozo la taille mon côté spirituel. Toza la dimension spirituelle mon côté. Azolo bon na collègue na toi ba collègue oui ba pasteur mais na ba dimension. Il y a ma profondeur, il y a ma hauteur, il y a yo za bébé na ngai. Ce qui va créer la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu, c'est ta dimension de l'alliance, ta dimension de concentration, ta dimension de kabosaka, ta dimension de breka kobose, de kerabosakaka, de kondokoro bobobobre. Alléluia. Oza mwana muke ba mikolo ba ko respecter yo. Amen. À cause de la dimension. Tina ye pimelo. Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec Haïti na bala. Sala ki na Haïti na bala. Il a besoin de le faire avec toi. Kosala mona yo. Je sens Dieu. Hein? Nazo ka Nzambe. Je sens l'atmosphère. Nazo ka mo pepe. Yes. Amen. Dieu n'a jamais était un homme de parti pris. Na biso nyonso, Dieu nous a donné à nous tous 24 heures. Tout le monde a 24 heures. Mais le problème c'est quoi? C'est ta manière dont tu utilises les 24 heures. Moutou Moussa, la 24 heures, 16 heures du temps, na Facebook. 3 heures du temps, na WhatsApp. 2 heures du temps, la nouvelle as. Yes. Il n'a même pas le temps de prier. Amen. Il y a même des gens qui sont venus ici. Peut-être rassembler, ce qui va créer la différence. C'est la prière. Yes. C'est la prière. Yes. La prière va créer la différence. Yes. Je crois que tu vas dire amen. 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 Ça va créer aux amours dans mon cœur, mais la prière va te détacher. Alléluia. Prière est occupée à Chinaote. Quand tu pries beaucoup, Dieu va t'honorer. Il va répandre sur ta vie son onction. C'est pourquoi les gens échouent avec Dieu. Pourquoi? À cause de la manière dont vous priez. Vous m'avez compris? Amen. Confinement
mais tu ne veux pas prier. Confiné, mais tu veux rester dans la distraction. Confiné, c'est le moment où Dieu veut te voir à la prière. C'est un moment où Dieu veut te voir dans l'intimité. La prière, c'est le temps de l'intimité. Le temps où tu parles avec ton Créateur. C'est le temps de l'amour. La Bible dit il siège au milieu des louanges et des adorations. La prière, hein, c'est le moment fort où tu vas causer avec ton Dieu. Jacques a dit, il dit vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Quitte la vie d'un bébé spirituel. Amen. Je voulais prier avant-hier la nuit. Je commençais à 22h. Je me suis retrouvé à 4h. Amen. Oui, à terre à Minge, à l'obra Minge. Ce yo ba pesio au témoignage ta. Amen. À ta 2 minutes. On va na lingina témoigner, hein, na lingina yembela nzambe, na lingina yembela nzambe, nzembo nanga, nzambe moko. Mais vous savez pourquoi quand je parle, les paroles viennent. C'est lui qui est dans la prière. C'est comme s'il est connecté avec la source. Il ne manquera pas de quoi parler. C'est lui qui est conduit par l'esprit. Je vous avais dit l'autre fois là. Le corps a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Mais l'esprit mange la parole. Ça mange la prière. Mais le corps mange le fumbo. C'est comme ça que tu es qui simbi. Tu manges trop comme Jonathan. Mais en esprit, tu ne manges pas trop. Dans le corps, 6 boules. Mais en esprit, un demi-boule de la prière. Jésus a dit, vous ne pouvez même pas gêner une heure. C'est qu'une prière, c'est une heure. Demandez à Papa Nathan. Il a prié combien d'heures avant de venir ici. Demande à celui qui est à côté de toi. Depuis qu'il s'est réveillé, il a prié combien de temps? La prière, c'est notre force. Tu as prié combien de temps? Charlotte, osambeli combien de temps? Onzambe na omona makamba vina ndeyo tambo la bien-être. Ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas le problème de ma sorcière. C'est le problème de la taille. La qualité de la prière. Qualité à l'osambo. Amen. Nazomona, prophète José, nzamba osale la ye, a témoigné que moi et toi nous sommes différents. Ngana yo bokesene zali. Bokesene zali. Quand toi tu dors. Tangu yo sola la. Moi je suis dans rekaboche ke. Nzana ya mabakuza. Yes. Amen. Yes. Na iner na kota kabo na moni dadi na line. Amen. Mba mona bando prier na ye. Yes. Papa la rabbi, je salue mon prophète. Oyebi tangalo ba je salue mon prophète là. Yes. Mon fils est prophète José. Moi na nanga mo sakoli José. Erwa na dia kazo benda pongi. A iner. Quand moi je prie. Yes. Quand moi je prie. Quand on a zo sambe là. Toi qu'est-ce que tu fais? Yo baneko salami. Yes. Amen. Même si je veux prophétiser, même toi-même, il faut prier. Yes. Amen. La prière. Tu as compris la prière. C'est lui qui est conduit par l'esprit. Galates chapitre 5. La Bible dit celui qui est conduit par l'esprit, il ne sera pas conduit par la chair. Tu sais pourquoi tu tombes dans les péchés? Parce que tu es conduit par la chair. Je t'assure, toi qui me suis là, beaucoup de prières,
va éloigner les péchés. Celui qui est conduit par l'esprit, il ne sera pas conduit par la chair. On dit les œuvres de la chair: impudicité, ivrognerie, adultère, toutes ces choses-là. Le Seigneur est contre ça. Mais les œuvres de l'esprit, patience, douceur. Oui, quoi, n'y a s'il pas, pam. Azanga molim. Amen. Moi, l'obam, mais les a déposé. Amen. Gaba sakana nangate. J'en me quitte au bebana. La gocha Bible est pembeni. Yes. Tu es conduit par la chair. Amen. Celui qui est conduit par l'esprit, amen, il est caractérisé par la patience. Amen. Il est caractérisé par l'amour. Amen. 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 Merci. Oh prophète Anna, hein? Pasteur Wana, Isaac a yé à quoi une écobo. Vous en avez une contre? Yes. Pour accoter ça en prison. Yes. Toyebaka pour l'église wana. Amen. Ndengo zo finga ndengo pour kobota mwana mo rebelle. Amen. Finga peyo. Amen. Amen. Celui qui a l'amour de Dieu, celui qui est fort, il doit supporter les faibles. Amen. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, à l'obinin. 6, verset 5. Ils ont sonné pour les chrétiens. Ils ont fondé les chrétiens. Ils ont réseaux sociaux. Ils ont sonné pour les bangos. Quel que soit le défaut d'un chrétien, il faut aussi entre bino bananda. Amen. Un pasteur, un chrétien, à quoi catholique, quand on m'ont ingéré un chrétien, t'es na télévision, na les réseaux sociaux. Oh yes, alléluia. Vous êtes comme des païens. Vous allez quoi, va pagano? Oh t'es papa, yo zolo babon, yo zolo côté, ngala côté la mabé. Oh yebinga biété. Yes. Oh yebinga biété. Moi j'ai chassé des pasteurs dans mon église. Nana benga na baba teli n'église nanga. Qui a dit amen? Amen. Bon, pexo le moko yel boso kite mbalo kite amisa to kite. Il y a 4 fois kite tu seras chassé. Tu seras comme un païen. Ozalo kwa mo pagano. Na côté le mabété. Mais ma manière de dire c'est quoi? Lo lenge nanga kolobezani. Kokwe ya mutu wana. Yes. C'est ba pagano na ba ndoki na ba rosicrisé ba ose kabiso. Ba lo batala bango na bango ba komi ko welana. Amen. Tala bango na bango ba komi ko suana. Yes. Et tu crois que en critiquant un pasteur, lo kanisa na ko tuka ka mo bateli. Yo ba osepela na yo, on ne te donnera pas la valeur. Ko peso valeur te. Amen. Ya mon école na biso. Ya biso bana nzambe, yes, bana papa Timothée, mm-hmm, on ne peut pas étaler nos pères spirituels à l'écran. Toko tanda batata na biso moli moté na netando. Oh ça veve, il fallait bazong cela ba droit nae. Kinshasa ndembo ka makamu. Ma valo ebi ke Kinshasa ka mboka makamu. Yes. Mutango ba o violer, moi na 12 ans. Yes. Mutango ba o violer, moi na 17 ans. Kako ba pasteur bazakana ba influence. Ok, nan dimi influence. Mais yo posa mon a moi si. Tang bazo bengo ba kendo violo. O boya rate poane. Amen. Bino ne soubana ba sabolo ba men. Amen. O linga kiango ya liboso ba violo. Yami balé ba violo. Yes. Yami satme ba violo. Amen. Ba violo ko kati 9 fois. Amen. Ah! C'est que ba violo ango koma nango bien. Modéré. O ba pasteur pe ba leki si. Nga le na lobie ba ser pe ba likisi. Amen. Tang bazo mema yo boya. Yes. Amen. Boyo ki ndenge ba amen sili kote na amen. 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 Alléluia. Amen. L'homme a trois parties. Motoza na biteni misa. Job nous dit dans Job 32 verset 8. Job 32 8 c'est solo ba. Je vais pas lire ça en réalité. Na bo solo. Dans l'homme na katia moto. C'est l'esprit. Eza molimo. Papa ba démon ana ba boya ki ko tosa po na kati na ye ba moni molimo ya Paul été. Ba moni molimo ya Yesu té. En réalité dans l'homme. Na bo solo na katia moto. C'est l'esprit. Eza molimo. Un sorcier ne peut pas manger un esprit. Aucun sorcier de ta famille ne peut te manger. Parce que toi, tu es esprit. Yes. Tel que tu es là, on ne peut pas te manger. Amen. Nous t'avons prière à Tazala 100 000 dollars. Mais sois à la prière, même les sorciers ont peur de lui. Yes.
Amen. En réalité, l'homme c'est l'esprit. Quand Dieu est créé, la lettre tue. Lettre bomaka. Mais l'esprit qui est caché derrière la lettre. Donne la vie. En réalité, Dieu quand il nous a créé. Créons l'homme à notre image. Yes. Il voulait que tu sois Dieu. Devant ton problème. Il est là au ciel, mais ici sur la terre, devant ta famille, c'est toi la sentinelle. Amen. Ézéchiel 22:30. Dieu ne cherche pas beaucoup de gens. Il cherche une seule personne. Trois incapables à bord de la boutou mobimba. Pour que Dieu ne détruise pas. Mais aujourd'hui, on est confiné. Mais Dieu te cherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent quittent la chair. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et avec Caprosso. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Soyez bénis. Tu manges trop. Amen. Regardez comment Charlotte est devenue grasse. Elle mange trop. Regardez comment les gens ont grossi. Vous mangez trop. Amen. Non, les cas quelque part, mais si non. Oh papa, bisoto omona soki to bazongi libe église. On va attaquer bisoka la 40 jours. Amen. Donc étiquette au bateau, y'a Belingaï. Et ça va ngomba. Et ça va prier. Et ça va gêner. On doit aussi te reconnaître comme ça. Mais quand les gens regardent Maria, c'est qu'elle n'a pas mangé. Tu veux que le corps grossit, mais pas ton esprit. Or la prière, c'est l'essence de l'esprit. C'est le carburant de l'esprit. C'est le poumon d'un chrétien. C'est la force d'un chrétien. Là où ton père n'est pas là, la prière sera là. Là où ta mère n'est pas là, la Bible déclare, Dieu cherche les vrais adorateurs. C'est que ma faux Bazali papa. Merci. Merci Jésus. La prière libère les ciels. Le sang est bimi sakalola. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui est notre souffle. Ce n'est pas moi, c'est Job qui a dit. Il dit en réalité, comment Job est 38. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Betam ta pembe no loboza molimo. Le bas m'ont allé en abotamité. C'est Job qui dit ça. Job m'ont allé en bas. En réalité, dans l'homme, nous avons tendance à la fièvre. Amen. Mais ton esprit n'est pas malade. Amen. C'est ton corps qui est malade. Mais ton esprit est fort. C'est la chair qui est faible. Mais l'esprit est fort. Il dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Amen. Quand Dieu nous a créés, pas au bord à créer l'homme à notre image. La pensée de Dieu était quoi? Devant Satan, toi tu es l'image de Dieu. Devant la maladie, toi tu es l'image de Dieu. C'est pourquoi Paul, dans la prison, maman n'était pas là, papa n'était pas là, mais la prière était là. Il a prié, ma porte est fungwama. Je prie pour toi que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Je crois que tu vas dire amen. Amen. Tu as besoin de quitter ces rangs-là des bébés spirituels. Tu dois évoluer par l'esprit. Car tu es un grand missionnaire. Depuis le confinement,
Dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit. Amen. Vos fils et vos filles, prophétisez. Ah, Dieu va te remplir. Il va t'équiper. Il va t'envoyer en mission. Ozala mobali mokwa ebinza mbete mais par toi. Par l'esprit de Dieu. Tu vas gagner les âmes. Yesu asola kana mwasi mokwa ma gagner Samarie mobimba. À cause de toi, confirmez gars les prières, confirmez gars les retraites. Osa yo moko me commence à prier. Ne vous en priez, bon, vous en renforcez mon limo. Vous en renforcez esprit. Vous en bâti sa souffle. Parce que très bientôt, Dieu va susciter une génération. Une génération qui va prophétiser. Parce que tu es un grand missionnaire. Dans l'horloge prophétique de Dieu, Dieu a déjà déclenché un miracle. En fait, pour nous, nous comprenons que Dieu a déjà déclenché. Nous ne regardons pas Corona. Nous utilisons confinement. Ce temps-là pour tous en bas chez nous. Parce que nous savons que nous sommes au temps de Joël. Dieu veut répandre son esprit. Dieu veut que tu sois prophète de ta famille. C'est par la prière. C'est par la prière que tu deviendras fort. Deviens fort. Reçois cet esprit-là. Reçois cet esprit-là. Deviens fort dans la prière. Qu'Osambela Yeshua dit, ni te multiplie ça. Amen. Au moins, batu nyoso, ba olanda diacre te. Diacre aya avant libosa berger. Amen. Mais batu ba qui n'est pas berger pour berger, c'est la bonne prière. Amen. Bato ba olanda diacre ba olanda ka la boutique na ye. Amen. Assemble la bonne biscuit. Est-ce que tu ko kota li kelemba wana? Ba olanda pour la boutique. Amen. Berger er nyoso la prière. Au moins, maman voilà, a olanda berger. Au moins, la sœur n'a pas comme Gina, a olanda berger. Au moins, la maman passe à olanda berger. Mais comment, le lengenini berger n'a diacre. Diacre aya avaye. Mpaka aya diacre a sala 11 ans à ma coronanga. Mais berger n'a la sali 11 ans à te. C'est que taille spirituelle y a berger. N'a diacre. Différence yena. Bon, que ce n'est allié. Amen. Quand tu es plus âgé spirituellement, les gens vont te chercher. Vous savez, quand Jonathan prophétise sur toi, vous voyez que ça, la maman. Maman, il faut me dire quel jour le diacre a prophétisé sur toi. Amen. Quel jour? Mon colonin. Parce qu'il est militaire, il n'a pas l'état. Mais c'est lui qui prie. Frère, la prophétie sera libérée. La prière libère la prophétie. Tu ne vas pas forcer. Binonyoso bozali aso bosakola isusute botoboka na ba prière. Amen. Je reçois. Na okika la prier. Amen à mutu moko. Amen. Quand tu commences à beaucoup prier, la première chose qui va se déclencher dans ta vie, ce sont les songes. Amen. Parce que l'esprit a commencé déjà à manger. Amen. La prière aussi c'est comme ça. C'est notre respiration. C'est-à-dire si tu ne pries pas beaucoup, c'est-à-dire dans le monde a explosé à Rokufa. Amen. C'est pourquoi tu as un amour. Maman va la voir pas l'angai. Amen. Bah, tu vois, c'est parce que taille spirituelle l'angai, le qui taille ya diat. Amen. Un leader. Leader. Ne peut pas prier comme ses enfants. A quoi ça me la télé quoi, banana? C'est bon, la bassembe la 2 heures, il faut ça me la 6 heures. Amen. Et tu vas remarquer que Dieu va établir la différence. Toi qui me suis, augmente la vie des prières. Multiplie la vie des prières.
Sois fort dans la prière. C'est-à-dire celui qui a développé son esprit. Quand tu deviens spirituellement fort, les gens ne vont pas te comprendre. Amen. Beaucoup d'un berger Gelor. Oh, yo, pesa batumbo tete longwa. Sois en ta prière. L'amour de Dieu sera en toi. L'amour supporte. L'amour pardonne. L'amour croit tout. Soyez béni. Quand tu deviens fort spirituellement, les gens ne vont plus te comprendre. Quand tu es fort dans l'esprit, quand tu deviens spirituellement fort, les gens ne vont plus te comprendre. Moi je dis, mieux vaut être spirituel que d'être charnel. Vous allez lire ça à la maison. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Psaume chapitre 68. Psaume 68. Verset 28. Verset 28. Ton Dieu. Zambenayo. Ordonne. Azo pesa nzela. Yaya Nora, il faut vous sakola. Mariam, il faut sakola. Posa la ta ou à prophétie Joël 2, 28. Il faut bando sakola. Ba sakola ka grâce dans ma prière. Amen. Ton Dieu ordonne. Zambenazo pesa nzela. Que tu sois fou. Fort. Bando qui basa la famille, mais toi tu sois fort. Toi sois fort. La prière libère le ciel. La prière libère la pluie du ciel. La prière te rendra fort. La prière te rendra puissant. Si tu ajoutes la foi, c'est le miracle. Batu nyo sonzam batambro la bango na kati ya Bible. La prière et la foi. La Bible dit, Élie était un homme de même nature que moi. Trésor, Élie a zaki lokola yo. Na maboko, na miso lokola yo. Ma belle la mvule longwa. E betake, mvule yo kae. Mais yo tinde mozawana, atam kolomoko to kanga mvule. Amen. Ce kanga mvule bandibo, e tika to lala la biso. Toi, tu voulais bête à tes colères. Non! Non! Au milieu de la émission, moi, je m'attends à vous les alaki. J'ai parlé. C'est-à-dire, un homme de la prière, tu deviens fort devant la nature, devant les sorciers, devant les démons. Tu deviens fort. Élie avait la même nature que moi et toi. Mais il était différent de toi et moi. Lui était spirituel. Mais toi tu es charnel. Beaucoup de soucis. Beaucoup de problèmes. Quand tu demandes à Dieu. Na kende poto, na balae, tout ça là. Yaya, prière, soko koli intimité na Nzambe. Tu ne vas même pas chercher. Tu vas même pas chercher le mariage. Notre Dieu, il fait chaque chose bon. En son temps. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Romains 8 te dit ceci. Les gens charnels, ils tombent facilement. Tu n'as jamais remarqué que quand tu pries beaucoup, tu ne tombes pas facilement dans les péchés. Non, le salaire constant dans la tête. Amen. Yaya, tu as 21 jours à retraite. Il y a prière. Yaya, atali kangwana le bibo kende. Même si le pasteur n'est pas là. Attends, on va te laisser. Quand on est à la retraite, la présence de Dieu là. Quand la prière est au sambe là, il y a un jeu de prière. Il y a un gomo et longolo nan na vie à ma soum. C'est ça ce que Romain dit. Quand une personne est spirituelle, quand il est charnel, il tombe facilement. Les sentiments de la chair vont le conduire. Quand on dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous avons trois parties. Tu as le corps. C'est le corps qui tombe dans les péchés. Tu as l'âme. Dans l'âme, c'est le siège des sentiments. Dans ça, les kobo, na mela masanga, nyo swa na sa vient de l'âme. Mais quand on dit
En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, la prière va développer la puissance dans ton esprit. C'est-à-dire, si mon limono est coli, est tondi, et comme ma casse, l'esprit va influencer le corps. Ça va influencer l'âme. Le corps n'aura plus la puissance, la supériorité sur l'esprit. Celui qui prie beaucoup, il ne pêche pas beaucoup. C'est lui qui prie beaucoup. Il ne marche pas selon les sentiments de la chair. C'est pourquoi Job dit en réalité, dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. Je suis d'accord, tu as le corps. Tu as l'âme. Mais n'oublie pas, tu as aussi l'esprit. On dit la chair est faible. Mais l'esprit est fort. On ne peut pas toucher à ton esprit. Dieu a dit à Job, à Satan, il a dit touche son corps, touche ses enfants, mais l'esprit ne touche pas. Aucun sorcier ne peut te toucher. Vous savez, un homme de la prière, il devient intouchable, il devient invisible, il devient très dangereux. Celui qui prie beaucoup, il devient comme Daniel. Papa, on va continuer ça les mardis. Celui qui prie beaucoup, il devient comme Daniel. Daniel priait trois fois par jour. Je profite. Il y a quelqu'un même qui m'a appelé à l'Afrique du Sud. Papa, ton lémi confinement. Mais moi, toute ma vie, c'est seulement confinement. Retraite, confinement. Confinement. Luzizi, la confinement. Madara, confinement. Confinement. Profite de ce temps pour travailler ton esprit. Tu verras que celui qui est dans la prière, il n'a pas peur du feu. On dit que le méchant, que Shadrach, Abednego, va voir qu'il a les boules en moto. Mais bon, on va louer. Amen. Paul, ma boy, qui va en prison. Yeah. Mais ils adoraient. Tu n'as pas l'argent. Mais tu as la prière. Tu n'as pas le mariage. Mais il y a quelqu'un qui est en toi. Il est plus que la prière. Il est plus que ce qui est dans le monde. C'est la personne de Jésus. La prière, c'est notre clé. C'est notre pouvoir. La prière, c'est notre force. C'est notre respiration. Un enfant de Dieu qui ne prie pas. C'est pourquoi ce n'est pas la magie. Même Pierre. On attend la colo, je crois, avant-hier. Même Pierre. Attambola la maille. À cause de la prière. Na ba dimension ma kasi nzamba bandao me ma Pierre na Jean. Pendant que tu as Barthélemy, Asundel Bango. Car Pierre n'a jamais même pas eu la transfiguration. Pour en préparer Bango. Parce qu'il voulait donner la clé à Pierre. Il lui dit ce que tu vas fermer. Vous savez, c'est lui qui a Dieu. Amen. Il dit ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Amen. À celui que tu vas pardonner, il sera pardonné. C'est que selon Dieu, Pierre devient Dieu. Selon Dieu, Moïse devient Dieu devant Pharaon. Pharaon, mon Nzambe, ta mona Moïse. Moïse n'a pas qu'à l'ingénie comme Nyoka. Nous sommes à ce temps prophétique. Il faut ma pagan au bas mon Nzambe. Mais c'est par toi. C'est par ce que tu feras. Grâce à la prière. Frère, si mon amour, tu vas boire qu'un aliboula bakosi. Parce qu'il savait, le Dieu que je priais trois fois par jour, il est le véritable lion de la tribu de Juda. Même si Babou Akinga n'a pas lion, le diable rôde tout autour de nous comme un lion. C'est que Liboula Bako, c'est pas Daniel, les Alouabalion, là-bas, Koussenaye.
Abanga kate. Yes. Un homme de la prière n'a pas peur. Un homme de la prière peut oser. Il peut déclarer des choses par la foi. Et le ciel sera attiré sur la terre. Tel que tu es là. À partir d'aujourd'hui, développe ta prière. Tu deviens très dangereux par la prière. Tu vas remarquer quoi? Quand tu vas beaucoup prier, la prophétie va s'ouvrir. Les écailles vont tomber. Tu vas développer l'écoute. Tu deviendras sensible par l'esprit. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Ça dit, deviens un homme de la prière. Deviens un homme spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Beaucoup ont échoué. C'est par rapport à la qualité de la prière. Par rapport à la qualité à l'ensemble. Par rapport à l'âge que tu as. Par rapport à l'âge. Spirituellement, quand je dis l'âge, c'est spirituel. Ba yaya bazali. Amen. Ba papa bazali la makambo. Amen. Ba kulaka bazali. Alléluia. Ba bishop bazali. Amen. Na lo ba titre oezo mona na te mais par rapport à l'esprit. Amen. Eza bato te soka zumu tuka bosani ngomba non. Amen. Na meme Mercedes na ngomba mangengenge. Amen. Ba monga ba bizu buma Mercedes ponanine. J'ai répondu à ces messieurs là. C'est ici à la montagne. Ah wana ngomba. Que ces Mercedes là est venu. Mercedes. La source de ces Mercedes c'est ici. Mercedes. N'oublie pas. Ce qui fait de toi ce que tu es là. Amen. C'est la prière. Amen. Est-ce que tout le monde comprend les gars? C'est la prière. Le sambe. Oui, Pierre a wanga na Yesu tant non ba outi na chambre haute. Mais tant que dans la chambre haute, quel était le caractère de l'église ancienne? Caractère, il y a l'église. Il demeurait dans la parole. Place à Zana, oh, te à Kamulaï, oh, Koko, la tête à Moulimo. Il demeurait dans la parole. Il demeurait dans la prière. Il demeurait dans la communion fraternelle. Il demeurait dans les fractions du pain. Et Dieu lui-même faisait le reste. Amen. Demeure dans la prière. Dans la parole. Demeure dans l'amour. Le reste est tiquelan zambassa. C'est alors que tu verras les miracles. La prière. Le sambo. Libère le ciel. Yes. La prière. Le sambo. Ça peut fermer le ciel. Le ça peut ouvrir le ciel. Dieu peut te ramasser. Zamba kolo kotayo. Na zamba. Amen. Ma cause de la prière. Na a condition que tu la mis sur bas. La prière donne la forme. Le sambo pesa kalolenge. La prière va te distinguer. Le sambo kokesin sayo. La prière c'est la force. Le sambo za makasi. La prière c'est notre puissance. Le sambo za nguya na biso. Même Moïse avant comme ça nzete nyoka. Amen. Et pas Pharaon. Nzamba bomba qui est en confinement. 40 jours dans Ngomba. Amen. Tu es confiné. Demeure dans la prière. Amen. Tu verras tant qu'on quitte, Pharaon qu'on libère. Amen. Na lobi bien. Amen. Quand tu demeures dans la montagne. Tango umen na ngomba. Tu na ngomba na kate. Quand je dis montagne, c'est la hauteur. C'est la profondeur. Quand je parle montagne, yo monaka hauteur, mona profondeur. Mona mozindo komi koti sa. Amen. Dis-moi la prière à marche courte wana. Amen. Azuru bo pasteur wa lo azwa ndundu. Atambola la ba mituka bonga. Mais po ya za la prière à tirbo. Amen. Non, il y a des gens qui ont défaut. Amen. Il m'a développé prière. Amen. Il y a un pasteur qui a été à terre. Amen. Il y a un pasteur qui a été à terre. Il y a trois dupes. Amen. Il y a un fin de l'endundu. Mais il y a un mouindou. Il y a un mouindou là dans le salon. Il y a un mouindou en piaquère. Il y a un mouindou. Il y a un mouindou. Il y a un fin de l'endundu. L'endundu nous a tombé. Apambolé. Sa force, c'est la prière. Ma casse, il y a dans le sambo. Ata batu batiku ezali kambute. Amen. Ata otika liyo moko ezali kambute. Toi développe la prière. Ne peux qu'avoir mon union le sang. La prière ouvre les ciels. Sambo fungo la kanikolo. Amen. Prière équiparato za kolonini. Amen. La prière fervente des justes. Le sambo oye ya bayenge ben. A une puissance. A une efficacité. A une efficacité. Ba protocole ba sale pembe na pasteur walon église. Na suka tant pasteur walo kei. Après ba yobisa na.
papa parfait mon quoi pompé à la ta veste et qu'on a la sapate naïe parce que c'est un homme de la prière. Ozolou la bango bato ba mata mais yo lingi ba prière te. Tu veux seulement la prophétie. Olingi ka lisakoli. Mais ba prière est konda. Le sambo est konda. Toi tu es maman allez toi. Yo za maman allez. Prière mouke, miracle pe. Miracle mouke. Prière est belle. Miracle pe belle. Oui. Celui qui prie beaucoup maman. Wa sambe la kamingi maman. Même atazane lamba mo bando ki ba wa lobanga, je vous assure. Amen. Prière mon kie, novela c'est belle. Amen. Prière mon. N'ayez que bolo balabino amène te pour suyo. Ayez bien, papa. N'ayez pas de novela, c'est ma problème à ma corona. N'ayez koti bongo, n'ayez pas arrêté. N'ayez pas arrêté, boba ozongi la boumenga la tala qui ont déjà na YouTube avant. Soko consulta ka Bible, n'ayez pas consulta ka novela. Soko consulta ka Bible, n'ayez pas consulta ka WhatsApp. Et ça la batonsou, frère. Naye hotel lelo avo simba téléphone tango la mukaka simba nzambe na losamba. Vous savez ça ba tunsu tanga ola mukaka a téléphone. Ala muki boy WhatsApp et tika na répondre na ba tun na butu ba mona ngate. Ezala ba tunso kende ko luka courant musika. Amen. Pour charger ka pour lingaza la connecter. Amen. Na connexion na aza na groupe ba yo kana ba bêtise pendant que tu es là. Tango yo zali. Na ba distraction. Na ba distraction. Et là ba tu mususu nzamba ba genou na ngaye. Alléluia. Ya ba genou na ngaye. Ema ema ema. Ema ni wele. Sambela langa. Ema ema ema. Ema ni wele. Emmanuel toko minasuka. Emmanuel na. Emmanuel yonzamba bazamba. Emmanuel. Soki na bondeli yote na kobondela na ye. Emmanuel na. Il est là mon Dieu. Emmanuel yonzamba miracle. Emmanuel yonzamba deito. Emmanuel. Emmanuel yonzamba milimo. Emmanuel. Emmanuel yonzamba bazamba. Chante avec moi. Emmanuel toko minasuka. Emmanuel. Emmanuel yo fongo la lola. Emmanuel. Soki na yembeli yote na koyembela nani. Emmanuel. Emmanuel yo nzamba mira. Emmanuel. Il est là mon Dieu. Emmanuel. Il est là mon Dieu. Emmanuel. Emmanuel yo pambola mami. Emmanuel. Emmanuel le yo biki samwimba Natasha. Rokobosheka. Emmanuel yo nzamba lo samboe. Emmanuel. Emmanuel yo yo kalo sambo. Emmanuel. Emmanuel yo yo kalo sambo. Emmanuel. Emmanuel yo yo kilo sambo. Emmanuel moyo kilo sambo. Emmanuel. Il est là mon Dieu. Emmanuel. Soki na yembeli yote na ko yembela. Emmanuel. Emmanuel nzamba miracle. Emmanuel. Emmanuel yo nzamba miracle. Emmanuel. Emmanuel yo nzamba bikamo. Emmanuel yo nzamba miracle. Emmanuel yo nzamba miracle. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel kobosa na ngate. Emmanuel kobosa na ngate. Emmanuel yo kanisa Natasha. Emmanuel. Emmanuel yo kanisa Paul nanga. Emmanuel.
Emmanuel yo pambo la kabala. Emmanuel yo bikisa Natasha. Emmanuel tombo la go delive. Emmanuel yo pambo la bala. Sogila yembele yo te la ko yembele na ne. À prier, tu vas commencer à prier. Oh, bando sambe. Tu vas dire à Dieu, descends, quitte, agis, sala, descends, quitte, agis, sala, dis à Dieu, remplis-moi, tondisanga, revêtis-moi, gratisanga, par ta puissance, par ton onction. Si tu sais prier en langue, continue à prier en langue. Prie au nom de Jésus, alléluia. Obstacle ni les hôtels Melayo. Si c'est la maladie. Si c'est la maladie, si c'est le combat familial, quel est l'hôtel qu'on a érigé? Quelle est la malédiction qu'on a libérée? Maintenant que tu es rempli par sa puissance, chasse l'esprit des morts, chasse la malédiction. La Bible déclare toute langue qui se lèvera, toi tu vas la condamner. Commence à ordonner que la maladie te libère. Commence à ordonner. J'ai dit la prière, ouvre les ciels. La prière attire les ciels sur la terre. Commence à dire à Dieu que les anges de Dieu entrent en combat pour toi. Tu vas dire à Dieu que la mort, la maladie libère ta vie. Tu vas battre les mains. Tu vas sortir dans les prisons sataniques. Tu vas donner l'ordre. Allez, va dans le bima, va dans le bima, va dans le bima. Bazala kondima Yesu alobi so bazala kondima lokola graine a senever bolobala bangombo bolongwa amen eloko nini etelmelo lokola ngomba yes. Malade elongwa bilakile mabe elongwa makila mabe a fami elongwa liwana accident elongwa ozobeta maboko obi ngomba nyo se telemi obstacle nyo se telemi ozo empêcho simba musalana ezo empêcho simba mbongwana ozo bisa nzambe ba mira jeriko ekoya ozo bisa nzambe mopanga no telema lobana nzambe maboko la ngaba kake oyo nyo sa telemeli dossier la ngai oyo nyo sa telemeli vina ngai oyo nyo sa telemi lyo nyo so ozo nguluma pembe na ngai obanda ko bisa nzambe bandoki a famina bino bakatana banyoka nyo so o amela libala na yo amela bana na yo amela musala na yo lelo asanza ngo maboko kakem no ko sa da moto prise ale prise ale
dans les ciels, sur la terre, il n'y a pas de nom qui nous a été donné pour que nous soyons guéris. Amen. C'est le nom de Jésus. Amen. Les critiques que nous venons de lire, Yesu a causé qu'il nous est ta fille. Amen. Parce que c'est un homme spirituel. Yes. C'est un homme de la prière. Amen. Amen. Miracle. Amen. Je vais prier pour toi. Amen. Approche-toi à côté de, télé, de ta télévision. Approche ton téléphone. Approche ta foi vers moi. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, Christ, comme moi j'ai imité Christ. Amen. Je vais prophétiser sur ta vie. Yesu a causé en zété. Na causé malade nyoso le colonel. Amen. Toutes tes maladies, tout mauvais sort qu'on a libéré sur ta vie, j'annule ça au nom de Jésus. Amen. Si tu me suis, tu es malade, reçois ta guérison. Amen. Amen. C'est la qualité de ton amen qui t'apporte les miracles. Amen. Amen. Reçois ta guérison. Amen. Pierre a joué sa Yesu. Talan zete au kausaki et kauki. C'est lui qui t'a maudit, je l'ai maudit. Amen. C'est lui qui t'a maudit, je l'ai maudit. Amen. C'est lui qui t'a maudit, je l'ai maudit. Amen. C'est lui qui a préparé un cercueil. Amen. Il va entrer lui-même. Amen. Toi, tu n'entreras pas. Amen. Ta famille n'entrera pas. Amen. Tes enfants n'entreront pas. Amen. J'annule la parole des sorciers. Les démons là ont frappé les fils de Séva. Moi, je ne suis pas le fils de Séva. Moi, je suis le fils de roi des rois. Celui qui est en moi est plus fort que le sorcier de ta famille. Je parle comme un prophète. Que les sidatiques soient guéris. Que celui qui a le cancer, tu es guéri. Toi qui me suis à la télé, toi qui me suis à partir de ton téléphone, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, je viens au nom de Jésus Christ. Je déclare. Et si Kanyo suba koti sakio, je libère ton mariage. Amen. Je libère ta vie. Amen. Je libère ton travail. Amen. Je libère ta promotion. Amen. Quelle que soit la prison où on t'avait placé, je viens au nom de Jésus te dire que tu es libéré. Amen. Tu me suis, tu dis amen, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Les rois posaient la question à Daniel. Est-ce que ton Dieu t'a délivré? Daniel a dit oui. Reçois la délivrance. Amen. Amen. Soyez libérés. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Yes. Et la vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Deviens fort. Amen. Dans la prière. Amen. Fort. Yes. Spirituellement. Amen. Fort. Yes. Dans la parole. Amen. Dans cette génération. Amen. Que mon Dieu t'utilise. Amen. Que les écailles tombent de tes yeux. Que tu écoutes Dieu. Amen. Que tu montes encore. Amen. Monte dans la dimension. Amen. Que l'onction qui est sur moi. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour libérer les gens. Amen. Si tu as eu la chance de me suivre, Amen. Ce que tu cherches, te cherche. Ce que tu cherches, te cherche. Amen. Je ne sais pas ce que tu cherches. Amen. Mais je déclare et je prophétise. Amen. Je décrète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton mariage est libéré. Amen. Ce voyage là est libéré. Amen. Ta santé là est libérée. Amen. Ta vie là est libérée. Amen. Ta santé est libérée. Amen. Quand tu dis amen, amen, cela est possible. Amen. Yes. Amen. Reçois ton miracle. Amen. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Comme tu mets la foi dans la prière que je fais, tu es déjà guéri. Amen.
après cet instant, Amen. On va t'appeler. Amen. Il y a un miracle sur ton Amen. Chemin. Amen. Il y a un miracle sur ton Amen. Chemin. Amen. Il y a un miracle sur ton Amen. Chemin. Celui qui va s'opposer à toi, Amen. Le ciel va s'opposer à toi. Que la prière que tu as fait avec Amen. Nous, que cela libère la bénédiction. Amen. Que cela libère la faveur. Amen. Que cela libère la sainteté et la santé. Que cela libère la guérison. Reçois la faveur. Reçois ton miracle. Reçois cela. C'est une petite voix. Hein? Mais derrière cette petite voix, il y a l'onction du Saint-Esprit. Il y a la puissance derrière cette voix. Toi qui ne pouvais pas bouger, tu peux bouger la partie qui te dérangeait. Je t'ai guéri au nom de Jésus. Amen. Tu t'étonnes pourquoi j'ai dit je t'ai guéri. Jésus a dit nous ferons aussi des choses. Nous nous sommes la continuité des actes des apôtres. Amen. Je t'ai guéri. Amen. Je signe ces dossiers-là. J'ouvre les portes qui étaient fermées. Et tu es béni. Amen. D'une manière miraculeuse. Amen. Je dis tu es béni. Amen. Je dis tu es béni. Amen. À partir d'aujourd'hui, Amen. Développe la vie des prières. Amen. Et tu verras que les démons, les sorciers auront peur de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oh, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. C'est une première partie de la prière. On a fini avec la foi. Mais le mardi, on va continuer avec la prière. Donnez-nous le temps de bénir les gens qui sont en direct. Docteur Kayembe Fortuna, sois béni. Ma mamie soit bénie. Natacha soit bénie. Soyez béni Julia Rose. Merci mon père aussi était là. Oh compresseur Chacha Mweni soit béni. Charlie tu es béni. Charlie. Godelive soit béni. Godelive Pambolama. Vous êtes tellement nombreux. Papa Paul Congolo en Angola soit béni. Papa Paul Congolo Pambolama. Ah vous êtes béni, vous êtes nombreux. Vous êtes belé, bo soyez béni tout celui qui m'a suivi. Tu es béni. Les mardis. Soyez connectés. On va donner quelques clés encore. Pour la prière. Nous remercions Dieu. Si nous étions une bénédiction pour toi. Partage l'émission. Nous disons toujours, tu ne sais pas combien, qu'est-ce que ça peut faire du bien. Déjà, ça peut aider quelqu'un. Cette exhortation. Partage ça. Tu peux nous suivre sur YouTube. Tu peux aussi nous suivre sur notre chaîne. Meda TV. Meda TV. Abonnez-vous. Bokota. Faut vraiment s'abonner. Bo s'abonner. Et puis soutenir l'œuvre de Dieu. Bo soutenir mon salanza. On est confiné. Toza kokangama. Mais faut pas confiner la dîme. Hein? Kokanga dîme te. Il faut libérer la dîme. Faut libérer dîme. Parce que la dîme aussi libère les siens. Mon ko na zomi pe fungola likolo. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Faut soutenir mon salanza. Avec tes offrandes. Na mabonza na yo. Faut soutenir l'œuvre. Soutenir mon salanza. J'appelle même tous mes enfants qui sont ici. Benga tabana nango bazawa. Même quand tu viens prier ici. Taya ko sambela wa. Faut avoir même 500 francs pour donner. Tu vas libérer le ciel. Et la prière fera de grandes choses. Je vous bénis tous. Et je bénis celui qui était derrière la caméra. Je bénis aussi le directeur du programme. Notre frère Nathan Siata. Frère Nabiso Nathan Siata. Ton papa très bien. Papa moko malamu. Il me comprend quand même. Parce que je parle beaucoup. Hein. Oui, moi je parle beaucoup. Parfois il doit me comprendre. Je sais qu'il me comprend. Qu'il soit béni, je l'aime beaucoup. Je bénis toute son équipe là-bas. Soyez béni. Je bénis mon frère Paul en Afrique du Sud. Mon allié de l'Afrique du Sud, Papa Alphonse. Papa Alphonse, en Afrique du Sud. Comment je peux oublier Papa Alphonse? Maman Chouchouna, soyez béni. Maman Chouchouna, le patriarche Thiago, soyez béni. Merci pour tous les enfants de l'Angola. Tous les enfants de l'Afrique du Sud. Nous allons nous voir le mardi. À quelle heure, papa? À 9h.
à 9h. 9h. Donc, soyez connectés à 9h. Ça va connecter à 9h. Les mardis à 9h. Pour la mardi à 9h. Chaque dimanche. Dimanche, je fais un effort pour prier aussi avec mon père. Mon père commence la prière à 9h jusqu'à 12h. C'est comme ça que vous voyez, nous commençons à 12h. Et pour terminer, c'est un culte de 2h30. Soyez bénis. Je bénis tous mes enfants. Mon interprète. International. International. Je bénis. Pamboli, Elisa Lelo. Elisa Lelo. C'est qui son nom? Jonathan Ganga. Jonathan Ganga. Yes. Hein? Ganga Nzambe, sacrificateur. Mutumbimbeka. Je bénis Charlotte. Pamboli, Charlotte. C'est lui qui nous a conduit. Oh, Tambusa Kibiso. Je bénis Diacre. Pamboli, Diacre Ilanga. Notre serviteur. Mosali Nabiso. Un fils fidèle. Mwana Mokwa Sembo. Mes soda. Mes soda, les Jacques. Les Jacques, merci beaucoup. Amen. C'est ça son nom? C'est ça, oui. Ah, je bénis papa. Amen. Je bénis maman Vala et ses enfants. Je vois Gina. Gina. Je vois Keren. Keren. Oh, comment ne pas bénir trésor? Lui chante, je ne sais pas, deuxième voix ou première? Soprano. Soprano. Mais moi je chante 16e voix. La 16e voix. Moi ma voix, il ne faut pas suivre ça. Mais même si ça chante mauvais. Mais derrière ça, il y a l'onction. Il y a la puissance. Donc moi je chante 16e voix. 16e voix. Mariam. Mariam. Sois béni. Pambolama. Oh, je bénis moi la mouille. Nora. Je bénis Nora. Pamboli Nora. Sois guéri. Pambola Mabika. Sois béni. Pambola Ma. Je bénis Pambo en Angola. Pamboli Pambo en Angola. Il y a une maman qui m'a dit au Pambola Batnyo, ce Pambola Ngate Myriam. Maman Myriam Dila. La Pamboli Maman Myriam Dila. Pambola Ma. Et je bénis tous mes enfants de Pamboli Meda. Pamboli Bananga Nyo Pambola Binono Soboleke Bele. Amen. Alors je vous bénis tous. La Pamboli Binono. Je vous aime beaucoup. La Linga Bino Mingi. Nous sommes en train de souhaiter que ma prière est fungwa ma pour toi na banza la prière. Amen. Toi na bakanda matea. Yes. Toi na bakanda. Oui, parce que ce ma fungwa l'église ba ko samba mo comme sous donc toi na ba prière moko boy. Amen. C'est ton jour anda mo kolo ale. Donc toi na bakanda ba prière donc toi na banza la ba prière. Na éviter so yo mto landa ngo zanza la prière te. Donc c'est toi na banza la prière. Je promets à tous les gens qui nous suivent sur notre chaîne YouTube Meda. Na la ki ba tu nyonso ba landa biso na YouTube Meda. Ata ba église fungwa mi bo bando landa biso kaka. Amen. Tout le monde a un service là, papa Nathan. C'est-à-dire c'est une alliance, ça va continuer. Et vous avez un direct à Facebook. Le Seigneur va nous aider. Tout le monde va continuer dans le culte. Vous allez direct. Comme ça, Bino, Bato Angola, Bato Afrique du Sud, Bobano, la Bisso à direct. Et vous allez pas m'envoyer ma case. Vous avez un can et la prière. Vous avez un can et la matière. Vous avez un can et la prière. Vous avez un can et la gêne. Vous avez un can et la gêne. Yes. Charlotte, tu es au Canada, donc tu es au Canada. Papa président, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es salité. Tata es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu pardon. Là, ma prière tu es là, 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 papa es là, tu 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 es là, Nora es là, tu danse. Donc, Naza Awa, confinement, on a prié trop dans le confinement. Ce que Naza Awa, on a bombé, on dit trop. Ce qu'on a eu, c'est qu'on a libéré, on a libéré français. On a libéré français. On a libéré. On a libéré français. Français. Donc, on a la. Donc, on a eu, c'est qu'on a libéré les bango. Amen. Moi non bon Jonathan oh ya ka ne bembe. Amen. Moi non ba ya ka ne bembe. Ce que tellement la zaina ba dosa ba prière tant ba ine na libéré. Et bemba comme au modéré. Amen. Et bemba comme musali. Donc na zala ba dosa ba biloko. Donc ezo tambura nga na zo ka mukusa. Donc le mon na o kwanzaka eza mukusa biloko etondi nga funa libéré. Yes. Donc funa libéré. Donc prenons rendez-vous le mardi. Amen. Prenons rendez-vous le mardi. Hey. Mais pour Nabino Bata dimanche, yes. Na évité dimanche, tout au Canada, papa, na obenga papa Lelo,
ngana obando mandananga 11h na kobisa papa banda amatsa era oyokangai donc na kobisa papa banda ata 7h30 8h 11h à silici pour ngana banda 11h abanda 11h ti na 11h 12 13 donc on a 13h30 donc pour obando 2h30 il y a prière et ça très important muto abaira prière o basambela rebelle oza muto moko o monde ba beta o monde verser la tension ba demo ba beta ba tiki ba mutakala à cause ba prière qualité prière plus ozo prier ming ba demo ba vando libérer. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit avec vous mardi. À partir à 9h. Soyez connectés sur Facebook. Vous abonnez à la chaîne Nabiso. Vous soutenez Moussale Kennedy. Vous abonnez Bélé et Bélé. Vous partagez mission. Vous allez pas mourir. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bye bye. On se voit demain.